enchanté. Dexter de Chaud en personne. J'aurais de vous en imposer. Démarre. Ça t'embête si je te pose une question directe? Tu préférerais vivre une vie paisible comme Monsieur Tout-le-Monde et mourir à un âge vénérable, ou bien mourir en héros sur les feux de la rampe avant d'atteindre ta 30e année? Je veux la première place ou rien, Dex. Peu importe le prix. Bien sûr. Je n'en attendais pas moins d'un petit jeune qui a la dalle. Respect. Ouais. Bon, écoute-moi bien. J'ai besoin de quelqu'un pour un super job. Du lourd comparé à cette descente dans une planque de désosseur. Je vous écoute. C'est quoi ce boulot? Il s'agit d'un prototype de tech. Une biopuce pour être précis. Je veux que tu la voles, c'est tout. Elle appartient à une corpo, j'imagine. Ouais. Arasaka. Mais ça ne sera pas un problème. Les corpos méritent pas de traitement de faveur. Merde, tu plaisantes pas. Je sens que ça pourrait être le début d'une belle amitié basée sur un paquet dédié. Vous y avez réfléchi? Vous avez un plan? Deux choses. Primo, une petite embrouille avec les gars du Maelstrom. Il faudrait régler ça, fissa. Secondo, un rendez-vous. Rien de sorcier. La cliente est nerveuse. Elle veut négocier avec quelqu'un de l'équipe. C'est quoi l'embrouille à résoudre avec le Maelstrom? Vous êtes en froid? Insère l'éclat. Un bon vieux classique. Un psychogang a attaqué un convoi de Militech il y a 2 semaines et s'est barré avec le matos. La corpo ne sait même pas que le Maelstrom est impliqué. Le truc, c'est que ce qu'on voit transportait le Flathead, un petit robot de combat, un prototype. Et moi, j'ai besoin de ce petit bijou d'équipement militaire. Parce que si on récupère pas ce robot, on peut dire adieu à la puce d'Arasaka. Et là, ce sera très mal barré pour nous. Mais te réjouis pas trop vite, c'est un joujou à usage unique. En fait, j'ai déjà acheté cette saleté au Maelstrom. Le truc, c'est que c'est un gars qui s'appelait Brick qui me l'a vendu. Je dis « s'appelait » parce que Brick était leur chef, mais 3 jours après la conclusion du deal, un de ses potes du gang, Simon Rendall, alias Royce, l'a destitué. C'est Royce qui commande maintenant, je ne suis pas sûr qu'il va honorer le marché que j'ai passé avec son prédécesseur. Et comme si ça suffisait pas, une certaine Meredith Stout de Militech s'intéresse aussi au convoi. C'est qui, la diva? Un agent corpo, affaires internes. Elle court la ville en posant des questions sur le convoi comme si sa vie en dépendait. La seule piste qu'elle a pour le moment est ligotée dans son coffre. Comme elle a pas l'air de se dérider, je dirais qu'elle est désespérée à l'heure qu'il est. C'est peut-être le moment d'en profiter. Pour ça, il te faudra des infos sur elle, évidemment. Je te les envoie tout de suite. La cliente, qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi ce rendez-vous? Elle s'appelle Evelyn Parker. J'ai eu du mal à retracer ses antécédents. J'ai fait mener une enquête sur elle. Ok, et? Des frangins de Pacifica m'ont contacté. Ils m'ont dit d'arrêter de chercher et s'en est resté là. En tout cas, notre chère cliente veut rencontrer quelqu'un qui est prêt à se mouiller. Quelqu'un qui sera là du début à la fin. Je ne serai pas sur place. T-Bug, ne fais pas dans le social. Quant à Jackie, ses points forts résident ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Alors on dirait qu'il ne reste plus que toi. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais me mettre au boulot. Magnifique. Je vais arranger le rendez-vous avec Miss Parker au Lidzies. Mais pour ce qui est du Flathead, je te laisse gérer. Spectaculaire. À plus.
Jack, j'ai parlé à Dex. Gordito, c'est un gros poisson, hein. Au propre comme au figuré. Il a dit qu'il voulait être sûr qu'on était fiable. J'ai plutôt l'impression qu'il nous balance entre le Maelstrom et Militech. Il y a ce robot de combat, un prototype militaire que le Maelstrom a tiré. Dex l'aura racheté. Mais il y a eu un changement à la tête du gang avant qu'il puisse le récupérer. Ouais, j'en ai entendu parler. Royce contre Brick. Un méchant coup d'état. Ouais, c'est ça. Dex veut qu'on parle à Royce. Il m'a aussi filé le numéro d'un agent de Militech, mais... je sais pas trop si elle sera vraiment utile. Bon. Et il y a un autre truc. Faut que je rencontre la cliente qui a mis le job sur la table. Evelyn Parker. Toi ? Mais Dex, il va faire quoi ? Se balader en limo en draguant des filles par rouleau ? Parker veut voir quelqu'un qui sera sur le terrain. Dex m'a donné le feu vert. Bon, il doit savoir ce qu'il fait. Alors, tu veux commencer par quoi ? Le Maelstrom ou Parker ? Allons d'abord frapper à la porte des Maelstromers. Fort. Bon, allez. Je vais faire un tour à l'usine Old Foods, alors. Fouiller un peu. Tâter le terrain. Hasta luego. Je t'écoute, qu'est-ce qu'on fait ?
T'es pressé, Mano? D'accord, c'est toi qui vois. C'est un gang comme les autres, non? Prends les Valentinos. Ils suivent Dieu et la Santa Madre. L'honneur a un sens pour eux. On sait ce qu'ils veulent, comment ils l'obtiennent. Je vous connais pas. On vient parler à Royce, de la part de Dex. Salle principale, on vous attendait. Charmant comme endroit. Il manque juste quelques plantes. Eh ben, ils ont l'air bien préparés. Première fois que je vois une sécurité pareille dans une usine de bouffe. Ouais, sûrement le matos du convoi qu'ils ont volé. Ils ont dû se jeter dessus comme des vers sur une charogne. T'as entendu parler de leur boss, Royce? Ouais, par Dex. Il est un peu spécial d'après lui. Hey, t'as trouvé quoi là-dedans? Un camion de Militech. Putain, je croyais que ces camions ils savaient juste piquer quelques caisses. Pas tout un semi. Muchas minas, es... Une mine antipersonnelle à projection de shrapnel directionnel. Mes préférés. Tout en finesse. MT0D12. Un flathead. Et alors? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Le type que je représente a payé Brick pour l'avoir. Je passe juste pour la livraison. Je parlerai à Royce directement s'il faut. Mais non, c'est avec moi que tu vas parler. Je m'appelle Dom Dom. Le canapé, posez-vous que... Merci, ça ira.
princesse veut garder l'esprit clair. Très bien. Et voilà. Le Flathead. Modèle MT-0-T1-2. Militech va pas essayer de le récupérer? Ils peuvent toujours essayer, ces enculés. Pour effacer le numéro de série et fait sauter le verrouillage d'accès avec notre logiciel. Il sera à toi pour de bon. Je dois le voir. Fais-toi plaisir. C'est un putain de secret joujou. Blindage avec camouflage thermo-optique dynamique. Immersion cognitive totale avec contrôleur Revel. Prototype d'actionneur amélioré, réalisé en alliage de titane vanadium Kevlar. Et regardez ça! Ils ont intégré complète. Alors que l'araignée se mettra à escalader un mur, à suspendre au plafond. C'est la gerbe assurée. Alors vous en dites quoi? Ouais, on le prend. Helios, c'est super. On peut voir vos crédits? Demandez-les à Brick, il a été payé. Demandez-les à Brick, c'est ça. Je vois personne qui s'appelle Brick ici. Et toi? Eh oh, tu vas pas me faire payer deux fois pour ce robot? Tu crois que c'est toi qui décides ce que je peux faire ou pas? Hein? Si je te dis de repasser à la caisse, tu le fais! Bon, si vous voulez le Flathead, vaudra mieux allonger les édits. Vu que t'as déjà reçu les édits à l'avance, tu pourras nous faire une réduc. La moindre des choses. Une réduc? Ouais. En fait, j'y pense. Tu nous as pas dit qui t'envoie? Qui tu bosses? Dexter DeShawn, si tu veux le savoir. Dexter DeShawn. Le gros lard qui enculait la moitié de Pacifica avec une barre de fer. Non. Il pète même la forme. Et il transmet ses amitiés. Mon offre alors, tu l'acceptes ou pas? Ramenez-vous, fils de pute! Je te tiens, ce fils de pute! Arrangez, mais... Tiens pas! Quoi, le décapant? Là, Chingao! C'est pas passé loin! C'est bon, j'ai tout. Le robot est le contre. L'heure. Alors on se casse. Vaut mieux pas traîner. Allez, dégage d'ici. J'ai besoin de prendre l'air. Chaîne de production, je croyais que t'aimais la barbaque.
Y'a vraiment pas d'autre chemin? Je comprends mieux maintenant.